voilà les 22 acteurs qui rentrent sur la pelouse en espérant que vous ayez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous allez être nombreux en tout cas à suivre tout le spectacle pour cette année 2013 avec nous. À droite, en bleu, le Paris FC. Et puis bien sûr, en blanc, à gauche, l'US Créteil Lusitanos qui compte 12 points d'avance sur le second, le FC Metz. Dira qui va peut-être chercher une solution, il la trouve avec ce côté, qui va pouvoir centrer. Attention, ce ballon qui file vers Murcy. Ouh, on est passé pas très loin de la du premier but tout à l'heure. Quid, et oui, c'est bien la Rémoise. Laurent qui va aller fixer son adversaire Jelly Lane. Il va centrer pied gauche, attention. Ouh, la belle reprise. C'était intéressant de Boba et Traoré. C'est sympa, c'est le genre d'ambiance qu'on aime bien voir dans le National avec ce bon ballon de Diarra qui va rentrer dans la surface de réparation. Il va peut-être pouvoir centrer vers Murcy, mais c'est une bonne intervention. Non, peut-être la bonne frappe. Ouh, dégagé, enfin arrêté du point par Yann Kerboriou. Bonne frappe de Mickaël Lamami hein, qui se penche bien sur un ballon qui arrive face à lui, pleine vitesse, difficile à manœuvrer. J'attends de voir ce qu'on propose, j'ai 35 ans, j'attends de voir ce qu'on propose. Il peut jouer encore. Mais si on propose une petite année en plus, j'irai pas non. Ah, ça serait dommage de s'arrêter sur une montée. Check and die, la frappe. Oh, Sopalski. Elle est dédiée par qui l'a dévié en corner, tout à fait, bien vu Vincent. Ça permettra de tirer plus aussi par la suite. Gestion intelligente. Attention avec cette nouvelle action, Pedro Oliveira qui était parti, Oumarou Diaby qui va armer la gauche. Oh, le bon coup de poing de Jérémy Sopalski. Hors du jeu, il temporise. C'est-à-dire qu'il laisse l'équipe adverse se refroidir un petit peu. Alors est-ce que c'est une superstition, est-ce que c'est psychologique? Attention, avec peut-être l'ouverture du score de Pedro Oliveira. Et oui, l'ouverture du score de Pedro Oliveira et de l'US Créteil Lusitanos. Et ben 2013 commence comme 2012, Créteil est devant. C'est la mi-temps, vous l'aurez compris, du côté du stade Charletti, 1-0 pour l'US Créteil Lusitanos. Le stage permet aux uns et aux autres de se rapprocher et de mieux se connaître, parce que quand on se connaît bien, on se parle mieux et ça fait toute la différence. Avec la bonne incursion de Murcy qui bat, oui, oh non. J'ai cru qu'il allait s'appuyer sur Diarra. Il a préféré tenter le coup tout seul et c'est venu lécher le poteau gauche de Yann Kerboriou. Jelly Lane pour le corner, ça va être sortant sur la tête de Denison. Oh, le but, incroyable but, et 2-0, 2-0 pour l'US Créteil Lusitanos qui a sans doute plié le match. Et ce n'est pas Denison Da Cruz qui a marqué, c'est bien Ibrahim Asek. C'est justement l'envie de ne pas prendre de but. Attention peut-être avec la réaction de ce côté, il est parti. Le choc avec Kerboriou, j'espère que les deux joueurs ne se sont pas fait mal, mais là il y a peut-être un coup à jouer. Jean-Michel Lesage qui va chercher une solution, Ibrahim Asek. Oui, belle intervention, c'est pas fini. Jean-Michel Lesage à nouveau, le coup de patte gauche. Ouh, ça a été contré. Et le but, le troisième but, incroyable but de Jean-Michel Lesage. La patte gauche de Jean-Michel Lesage qui ne mourra jamais, jamais au grand jamais. Et Jean-Michel Lesage qui ajuste avec un peu de réussite la défense parisienne. Monsieur Mézoir qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire également chez eux, puisque le Paris FC vient de perdre 3-0 sur son terrain face au leader, l'US Créteil Lusitanos. Je crois qu'ils ont été insolents de réussite. On aurait certainement mérité de revenir au score. Le tournant du match, c'est en début de deuxième mi-temps. Maintenant, il faut qu'on se mette encore plus au travail, parce que je pense qu'il y a matière quand même à faire des meilleurs résultats. Il y a un bon groupe et je pense qu'effectivement, je le dis depuis le début, c'est pas du pipeau. Hein. Je pense avoir 20, maintenant 22, 24 titulaires. Donc voilà, tout le monde rentre dans le moule, tout le monde s'éclate. Et puis bah, aujourd'hui, tant mieux. On a un peu de sérénité parce qu'on a un peu de grade avec nous, donc c'est quand même plus facile.